Salut tout le monde, bienvenue sur le monde de l'Umpi. En ce jour de réveillon de Noël, nous voici pour une petite vidéo qui n'était pas prévue. En fait, j'ai décidé d'ouvrir ces cartes Pokémon parce qu'on en a parlé sur le live et je sais que vous êtes curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans. Alors, à la limite, moi aussi, parce que je ne les collectionne pas, les dernières, mais comme je possède la première édition des Pokémon en français, une édition qui n'a jamais été jouée, qui a été rangée tout de suite. Voilà, je suis curieux de savoir ce qu'il y a dans ces paquets de cartes Pokémon qui sont éditées apparemment en collaboration avec McDonald's. Visiblement, de ce que j'ai compris, il y aurait 15 cartes au total à collectionner. C'est des paquets qui apparemment s'achètent aussi. Ma femme m'a dit qu'elle avait eu pour 2 euros et quelques les 3. Et j'ai des personnes qui me disent que c'est aux alentours 75 centimes le truc. Alors je ne sais pas. Vous me direz en commentaire. Moi, je ne me suis pas penché sur la question. Étant végétarien, McDonald's, c'est loin de moi. Mais les Pokémon, c'est un petit peu plus proche de moi, donc on déballe ça tout de suite. Bon, allez, on va commencer par celui que j'ai en main, hein, tout simplement. J'ai l'impression de faire un tour de magie, là. Un bon taux. Allez, on va commencer par celui-ci. Alors, je crois que ma femme avait jeté un œil, déjà, la curieuse. Et je ne sais pas si elle les a déballées. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Déjà, je ne sais pas combien il y a de cartes par paquet. Alors ça, ça ressemble à une espèce de jeton. Je ne sais pas ce qu'il en est de ça. Est-ce que c'est un jeton? Ouais, avec sûrement des pouvoirs, des choses comme ça. Je ne sais pas y jouer, au jeu Pokémon. Donc les connaisseurs me diront ce que c'est en commentaire. Voilà, j'ai celle-ci qui est donc apparemment une carte donc McDo avec Pikachu sur un paquet McDo. Il y a des QR codes à scanner. Ouais, alors ça, je sais pas trop à quoi ça sert. Voyons voir, est-ce qu'il y a un manuel qui pourrait nous expliquer? L'heure du combat a sonné. Tirer à pile ou face. Donc ok, ça sert à tirer à pile ou face. L'angle de la pièce qui pointe vers le joueur détermine la catégorie de jeu. Donc c'est-à-dire que si je fais tut tut poète poète, tac, boum, il tombe. Là en l'occurrence j'ai une espèce de règle. Voilà, j'ai une espèce de règle qui est tombée. Allez ici là. Ok. PV 40, PV 60, machin. Ok. Premier joueur qui remporte 3 points gagne la partie. Ou alors c'est à tester. Écoutez, vous testerez ça si vous allez au McDo et que vous collectionnez les cartes. On va pas se faire une partie en live. Combat Express, 4 cartes supplémentaires. Est-ce que ce sont des cartes qui sont, on va dire, collectionnables avec le reste? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut les mettre avec celles qui sont déjà existantes dans d'autres catégories de jeux, type écarlate ou choses comme ça? Je parle toujours en cartes, hein, et pas en jeu. Alors, voyons voir. Ah, je pense que oui. Je pense qu'on va pouvoir les mélanger à d'autres cartes. Oh, Force Poigne. Marteau Adrénaline, ce Pokémon est maintenant confus. Ok. Craparoi. Alors, c'est une carte base. PV 130, je pense que ça doit être un truc qui doit taper un peu fort, sauf erreur. C'est une brillante. Une foil, comme on dit. Chouette. J'ai un Motorizard. Hop là, on va faire comme ça. J'ai un Motorizard. Virée touristique. Attaque rapide. Un collision, donc un flottillon. Sympa. Okay, donc derrière, on a vraiment le dos des cartes Pokémon. Donc je pense qu'elles se mettent avec les autres cartes qu'on achète dans le commerce, hein, tout simplement. Infirmière zélée. Toute mimi. Voilà pour le premier paquet. C'est cool d'avoir une brillante. On va voir si j'en ai d'autres dans les autres paquets. Je ne sais pas combien il y a de brillantes à collectionner. Peut-être que vous me direz ça en commentaire, hein, sait-on jamais. Alors, voyons voir. Je découvre une nouvelle plaque de jeu. C'est la même chose. Avec, encore une fois, ce type de carte, là. Ça va aller avec le reste. Mais c'est pas la même. Vous voyez? Là, celle-ci sur le premier lot et celle-ci sur le deuxième. Ok. On a toujours la notice. Je vais ouvrir le paquet.
Suspense. Qu'est-ce qu'on va avoir comme carte? Le suspense est à son comble. Alors une foil, pousse à chat, griffe feuillage, PV 70. Donc il y a de fortes chances qu'on ait une foil dans chaque paquet. Enfin, sauf erreur, on appelle ça foil, hein, elle est brillante. Vous me direz, mais je crois que je suis bon. On a un pied tassé, concrétion glacée, aileron aiguisé, PV 100. Ah, PV 100, point de vie, ouais, pas mal. Pas mal, pas mal. Ok. J'ai un pomme, point léger. Alors moi qui ai connu les cartes de l'époque, je trouve pas que ce soit la fête du slip au niveau du dessin de ces Pokémon. Je sais pas si c'est propre à la série de McDo, vous me direz en commentaire aussi. Mais je pense qu'on aurait pu faire beaucoup mieux. Donc lui, il a point léger et coup de pied ravageur. Suivant ce qu'on invoque comme carte ici. Fulgulero. Plongeon contrôlé, grondement de tonnerre, PV 120, grondement de tonnerre 140, défausser une énergie éclair de ce Pokémon. Donc ça demande un éclair, deux étoiles. Sympa. Donc il y a 15 cartes à collectionner, je confirme, parce que là on est sur du 8 sur 15. Pas mal. Et allez, on va ouvrir le dernier paquet. Craparoua A. Et là, Craparoua A, et là, pareil, ok. Allez. J'ai pas mal de cartes à ouvrir, notamment du Magic et du Disney Lorcana. C'est vrai que c'est des unboxings qui peuvent prendre un peu de temps. Alors déjà, on est sur un autre paquet de cartes, parce que, regardez, j'ai les trois différentes. Hein. Donc ça, c'est quand même super cool. Je pense que si on scanne le QR code, on va avoir des infos sur le monstre, à mon avis. Hop. Alors, Pokémon, je vais mettre ça ici. On a toujours le jeton. Là. Je vais récupérer les cartes. Je vais essayer de pas en oublier une dedans quand même. C'est bon. Allez, on va avoir une carte brillante Pikachu. Sympatoche. Très cool. Pikachu, rugissement, pique éclair, PV 70. Donc les cartes brillantes, celle-ci elle est quand même super, super sympa. Voilà. J'ai un Kirlia, PV 90, coup magique 30, psycho 60+. Kirlia niveau 1. C'est la 15 sur 15 d'ailleurs, celle-ci. Chouette. J'ai du Compagnol. PV 40, coup double 30. C'est la 13 sur 15. Bon, je pense que la collection elle est facile à faire. Parce que là, j'en ai quand même déjà un paquet. J'ai Dunaconda. Qui a un PV 140, coup de crâne 120 et Jet Sirocco pour les attaques. Et écoutez, voilà. C'est tout mimi, tout ça. Très cool. Je vais quand même compter les cartes, mais je vais pas faire le calcul de tête. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il m'en manque 3. Bien écoutez, si vous avez 3 manquantes, je suis preneur. Ça pourrait être sympa de se faire cette petite collection. Bon, je pense pas que ça ait une valeur folle, hein. On regardera, mais je pense pas que ce soit des cartes qui cotent énormément. Je vais pas les abîmer, je vais les stocker, et puis voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce petit unboxing? Les petites cartes sont mimi, comme je vous l'ai dit. Je ne suis pas super fan des dessins. Écoutez, je trouve ça un petit peu pauvre par rapport à du Magic, par rapport à des choses comme ça, où on a quand même des illustrations qui sont bien plus emmenées. Là, on est vraiment sur du truc super cheap. Hein. Alors, est-ce que c'est propre à McDo ou pas, comme je vous l'ai dit, vous me le direz en commentaire. Voilà, écoutez, c'était la petite vidéo de unboxing de Noël, on va dire. Plus, on se dit à très bientôt pour peut-être de l'unboxing d'autres choses, comme ceci, par exemple. J'ai du Lorcana, qui n'est toujours pas ouvert, hein, et j'ai du Magic, et dans ce Magic-là, il y a des cartes Jurassic Park.
Voilà, il n'y en a pas beaucoup, malheureusement, mais ça peut être sympa d'aller à la chasse aux dinos dans ce paquet de cartes Magic. On se dit à très bientôt, passez un très bon Noël, la bise tout le monde, et à très vite sur le monde de l'Olympique. Tchuss!